Yo les gars, salut tout le monde, c'est Belloum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude. Avant de la commencer, je tenais à préciser que c'est lundi. Et lundi, bordel, j'ai la flemme. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de JDLP, malheureusement. Mais aujourd'hui, je vous donne la nouvelle série qui va arriver les lundis une fois sur deux. Enfin bref, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mon avis sûr. Et là, il y a pas mal de FDP qui vont me dire « Ouais, mais t'as pas donné ton avis, c'est pas toi qui fais la chaîne !» Je m'en bats les couilles! Et aujourd'hui, c'est pas le premier épisode pour rien, parce que je vais m'attaquer à une team qui, je pense, est pas très très bien appréciée. Je parle bien évidemment de la Obscure Clan. Pour ceux qui ne connaissent pas la Obscure Clan, c'est quoi? C'est une team performance, espèce de fils de pute, là! T'es con ou quoi? Bravo Thierry! Enculé! Oui, donc c'est la team performance qui n'est pas forcément très 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 appréciée par les pubstompers, les commentateurs, les GFX, enfin bref, tout ce que tu veux. Mais depuis quelques temps, on peut voir une légère amélioration. Enfin, quand je dis amélioration, je parle des vues, enfin plutôt des stats qu'ils font en ce moment. Oui, enfin, le petit chèque à Ayman et puis le petit chèque à Nextase, ça a peut-être joué aussi. Mais bon, on va pas parler de ça parce que sinon on va partir hors du sujet, je vois pas l'intérêt. Pour vous donner mon avis sur la Obscure Clan, pour moi, à l'heure actuelle, c'est une team où tout le monde peut rentrer. Enfin, entre guillemets. C'est sûr que si t'as 20 abonnés que personne te connaît dans la performance, tu vas pas aller dans la Obscure Clan parce que t'es en no-name. Et en gros, ça sert à rien. Mais un gars qui a un minimum d'expérience et qui a peut-être quoi 500 abonnés pourra, je pense, rentrer dans la Obscure Clan. On va pas se le cacher, les codes PSN qui donnent à chaque vidéo, ça aide beaucoup à faire des vues et surtout à faire des likes. Et si vous voulez vous faire connaître dans la performance, et bah pourquoi pas tenter la Obscure Clan, parce que ça va vous faire de la pub et bah peut-être que des teams plus hautes entre guillemets, bah vous observez et limite vous proposez une place. Et croyez-moi qu'avoir une place dans la My Way ou dans la Apex, ça peut forcément vous faire de la pub. Enfin, ça va pas vous donner une pub de merde, c'est ça que je veux dire. Je peux vous donner un exemple. Moi-même, je suis rentré dans la My Way et à l'heure actuelle, je suis presque 800 abonnés. On va pas se le cacher, c'est grâce en partie à la My Way. Donc si vous avez un minimum d'expérience et que vous voulez pourquoi pas rentrer dans la Obscure Clan, bah, je vous conseille d'aller les voir, d'aller leur en parler. Limite d'envoyer un de vos commentaires ou gameplay ou même design, pourquoi pas. Car personnellement, je pense que ça pourra vous aider dans votre aventure YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la Obscure Clan, malgré bah, le fait qu'ils aient de plus en plus d'abonnés. Et bah, ils ont fait des petites choses qu'il ne fallait pas forcément faire. Mais tout le monde fait des erreurs et je pense qu'on peut redonner une chance à la Obscure Clan. Malgré qu'elle fasse un petit peu de putaclic, et bah ouais, bah, tout le monde fait du putaclic en ce moment. Moi-même, j'en fais. Donc franchement, voilà quoi. Enfin, putaclic, plutôt titre aguicheur, hein, parce que les gens qui assument pas qu'ils font du putaclic, ils disent « mais il n'y a pas de putaclic dans le gaming !» Bref, toute team performance a un défaut. La Obscure Clan met des titres aguicheurs, mais d'autres font plein d'autres choses. Donc franchement, j'ai envie de dire « faites ce que vous voulez, quoi. » Laissez les teams faire ce qu'elles ont envie de faire et arrêtez de critiquer pour un oui ou pour un non. Il y a toujours des clashs sur Twitter, mais n'oubliez pas ce que Napo a dit. Que t'es 5000, 10000, 15000, 20000, 50000 abonnés, t'es toujours un petit pour l'instant. Arrêtez de vous clasher et faites-vous plutôt l'amour. Parce qu'on va pas se le cacher, les ricains, niveau communauté, ils sont au-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Je tenais vraiment à faire ce genre de vidéo parce que je vais en faire une série sur ma chaîne et je pense que je vais la mettre un peu plus en avant, histoire de montrer que je suis pas qu'un FDP et que je peux donner un avis positif ou négatif sur chacune des teams. Maintenant, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Belloum. Enfin, ma chaîne, quoi, en gros, tu vois ce que je veux dire. Merci à tous pour les 800 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous love. Pop 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 p